se rend bien compte que l'innovation, c'est quelque chose d'essentiel pour une entreprise, parce que si elle fonctionne bien maintenant, ça ne veut pas dire que plus tard, elle continuera à bien fonctionner. Pour qu'une entreprise continue à bien fonctionner dans le temps, il faut qu'elle sans cesse, elle soit au courant de nouvelles technologies et qu'elle innove dans de nouveaux produits, qu'elle se diversifie aussi, donc qu'elle ne se fie pas à un ou deux produits, mais qu'elle continue à en développer d'autres. On est totalement et continuellement à l'affût de l'innovation. Et je crois que pour une PME, c'est quelque chose de fondamental. C'est un risque, mais c'est modifié ou momifié. J'ai pris parti de faire partie des personnes qui modifient. Ne pas innover serait aller à la perte de la société avec ce qui se passe pour le moment. Tout va tellement vite. Je pense qu'en dehors de quelques exceptions, toutes les entreprises ont besoin de créativité et d'innovation. Ce n'est pas seulement des mots. Ça correspond à des choses tout à fait concrètes. On doit se développer, on doit assurer un développement correct en conformité avec les tendances du marché. L'innovation, ce n'est pas nécessairement qu'un nouveau produit, c'est un nouveau packaging, c'est une nouvelle communication, c'est un nouveau marketing. L'innovation, c'est extrêmement large et je pense qu'une entreprise peut innover de plein de façons différentes. Mais par contre, l'innovation, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Ne pas innover, c'est ne pas avancer. Et celui qui n'avance pas, il reste sur le bord du chemin et il ne prend pas le train de l'avenir. Et je ne pense pas qu'une entreprise peut être viable dans le temps si elle n'innove pas. Innovatech, le coach de vos innovations technologiques. Pour plus d'informations, visitez innovatech.be.